jamais fait. Marie, je pense que rien de plus excitant arrivera à Pandy Pandy aujourd'hui. Oh, oh, je suis désolée, Lion. S'il vous plaît, aidez-moi. Ce truc est carrément hors de contrôle. Maman. Oh non. Et voilà. Voilà une pyramide parfaitement parfaite. Oh misère, oh misère! Oh, vite, il faut appeler Sam le pompier! Un bâton sauteur à réaction hors de contrôle a mis le feu à la supérette. Denise Prim est coincée à l'intérieur. Un bâton sauteur à réaction hors de contrôle a mis le feu à la supérette et... Denise Prim est coincée à l'intérieur! Julie, Ellie, en avant! On va prendre Jupiter! Bien reçu, Sam! Ne t'en fais pas, Nicolas, on va la sortir de là. Allez, on y va. Oh, j'espère que maman n'est pas blessée. Denise, est-ce que tu m'entends? Oui, je... Je m'occupe du bâton sauteur. Toi, occupe-toi de Denise. Bien reçu, Sam. Fais bien attention à toi. Ah, oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Tout va bien, Denise. Je suis là. Viens, je vais te sortir d'ici. Ah oh ah ah ah. Maman! Ça, c'est méga incroyable. Oh, tu es content que je sois saine et sauve, mon petit trésor. Oui, oui, ils t'ont sauvé, c'est super. Mais je parle de Sam le pompier. Voilà enfin un scoop. Oh! Oh non, pas ça! C'était vraiment génial! Hourra! Nicolas Prim est tombé de la tyrolienne de la mort avant de se coincer dans un arbre. Et il a une mouche au bout du nez. Julie, tu vas prendre Vénus. Hélène, suis-la avec l'ambulance des secours en montagne. J'irai avec Dom à bord de Wallaby 2. Bien reçu, Sam! Je vais te sortir de là. Au moins, la mouche n'est plus sur mon nez. Tom, il vient de tomber dans la rivière. Rapproche-moi de lui le plus près possible. Bien reçu, Sam. Je crois que c'est suffisant. À moi de jouer. Julie, je vois Sam et Nicolas, ils sont dans la rivière. Bien reçu, Tom. Je vais tâcher de les intercepter en aval. Sam! Sam! Ah, je te tiens. Essaye de rester calme. Tu n'as plus rien à craindre. Alors, Julie, est-ce que tu les as vus? Non. Mais où sont-ils? On est fichus! Ah, les voilà! Sam!
Attrape! C'est bon, Julie! Tu peux tirer! Rassure-toi, il n'a rien de grave. Pour s'en remettre, il a juste besoin d'une boisson chaude et d'un peu de repos. Merci, Hélène. Eh bien, bravo! Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Montez là-dessus sans surveillance et en ignorant les consignes de sécurité. Je suis vraiment désolée, Sam le pompier. Moi aussi, Sam, je te demande pardon. Tout ce que je voulais, c'était devenir un héros de la montagne. Un héros digne de ce nom donne toujours la priorité à la sécurité, Nicolas. Allez, il est temps de rentrer chez vous. Je me demande si le commandant Steele a fini par avoir sa tasse de thé. Béatrice a voulu faire une autre fournée de sablé au piment rouge et elle vient d'en mettre le four café. Par ici, s'il vous plaît, libérez le passage. Ne vous inquiétez pas, je vais vous escorter. Sam et son équipe vont avoir besoin de moi. Alors, vas-y, le devoir t'appelle, petit frère. Qu'est-ce qui se passe encore? Venez avec moi, vous trois. Je vais vous mettre en sécurité. Allez, au travail. Bien reçu, Sam. Ça va, vous allez bien? Oui, je vais bien. Oui, ça va. Oui, on va tous bien. Baisse-toi! Ellie, toi, tu coupes le gaz et moi, je vais éteindre le feu! Bien reçu, Sam! Le gaz est coupé! Merci, Ellie! Beau travail! Ça y est, Béatrice, on a éteint le feu. Tu vas devoir attendre avant de faire de nouveaux gâteaux. Mais j'ai quand même réussi à sauver ta dernière fournée. Je suis vraiment désolée. Je sais que j'aurais dû surveiller les poils au lieu de chercher les gants dans le placard, mais j'ai voulu aller trop vite et j'ai été imprudente. Quand on veut aller trop vite, on risque de se mettre en danger. N'oublie pas, quelle que soit la situation, la sécurité prime avant tout. Oui, je sais, tu as raison. L'essentiel, c'est que vous alliez tous bien. Oui, on va bien. Oh, merci, tonton Sam. Est-ce que ça vous tente un petit sablé au piment rouge? Oh, oui, ce n'est pas de refus. Je n'avais pas eu le temps de les goûter. Ils ont l'air délicieux. Oh, ils sont très réussis. Un peu d'eau, ça? Oh, merci, Malcolm. Oh, on forme vraiment une bonne équipe. Tu l'as dit, Sam. Une très bonne équipe. Mathieu, Sarah, en avant! Je savais que tu pouvais pas le faire! J'aurais réussi si j'avais eu un peu plus de temps. Vas-y, Julie! Donne tout ce que t'as! Bien reçu, Ben! Oh, merci, Julie! Pas de problème, Max! Et fais bien attention aux vagues, hein! Ne t'inquiète pas pour moi! Ah, cet endroit nous tend les bras, Sam. On va enfin pouvoir se détendre. Oh non! Oh, j'y crois pas! Regarde, il y a le feu! Oh, je ne capte pas ici. Oh, moi non plus! On doit s'assurer que les cadets sont en sécurité. Et comment savoir où ils sont? Chut, écoute! Hein? Le mien serait bien plus réussi que le tien. Non, c'est faux! Par ici! Beau travail, Ben. Je te renvoie le compliment. Espérons que la journée sera plus calme à partir de maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Fini! C'est moi qui
sont même pas plantées correctement. Commandant Steele, il y a un incendie sur l'île. Un incendie? Portillon, mettons les cadets en sécurité. Retournons sans tarder aux embarcations. Impossible, commandant. Le feu nous bloque le chemin. Si je comprends bien, on n'a aucun moyen de fuir l'île. J'ai bien peur que non, Elvis. Et nos téléphones ne captent aucun réseau. Suivez-moi. Il n'y a qu'un seul chemin praticable. Espérons que quelqu'un à Pontypandy a remarqué le feu. Ce n'est pas normal. Il y a trop de fumée pour un simple feu de camp. Je ferais mieux de prévenir Julie et les pompiers. Un incendie s'est déclaré sur l'île de Pontypandy. Un incendie s'est déclaré sur l'île de Pontypandy. Tom, tu me reçois? On va avoir besoin de Wallaby 2. Comment va-t-on faire? On est encerclé par le feu, Sam. Si seulement j'avais apporté mon équipement de pompier. Besoin d'un coup de main, Sam? Merci, Julie. Allez, maintenant, au travail. Sur le quai. Oh, il faut vite prévenir Sam le pompier. Un panneau publicitaire en feu a percuté un camion citerne sur le quai de Pontypandy. Un panneau publicitaire en feu a percuté un camion citerne sur le quai de Pontypandy. S'il vous plaît, je vous demande de reculer immédiatement. Malcolm, j'ai besoin de toi pour tenir le deuxième canon à eau de Titan. Mais je ne suis pas pompier, Sam. Je sais, mais on n'a pas le choix. La sécurité des habitants de Pontypandy est en jeu. Alors, allons-y. Ben, mets-nous à bonne distance de l'incendie. Vas-y, Malcolm. Tiens-le bien, vise et tire. Oh oh, c'est bon. Julie, on ne peut pas atteindre le feu situé de l'autre côté du camion. Alors on va essayer de refroidir la citerne jusqu'à votre arrivée. On y sera dans quelques secondes, Sam. Il faut utiliser de la neige carbonique, Elvis. Bien reçu, Julie. Maintenant, aide-moi à éteindre le feu à côté de toi. L'incendie est éteint, Sam. Et comme la température de la citerne a baissé, il n'y a plus aucun risque d'explosion désormais. Merci, Malcolm. Si jamais un jour tu comptais quitter la police, sache que tu ferais un excellent pompier. C'est gentil. Mais franchement, lutter contre le feu, c'est pas trop mon truc. Ce panneau publicitaire fou n'aurait pas un rapport avec vous deux par hasard? Oui, sauf que c'est lui qui l'a rendu fou. Oh, je suis désolée. J'étais jaloux du panneau publicitaire de Max. Du coup, j'ai eu peur que les gens aillent voir son spectacle plutôt que le mien. Il y a un feu au bord de la rivière de Pontypandy. Il a pris dans l'herbe et il s'étend aux arbres. Il y a un feu au bord de la rivière de Pontypandy. Il a pris dans l'herbe et il s'étend aux arbres.
Les pionniers sont à la rivière aujourd'hui. On doit y aller et vite. On va couper par le chemin de la forêt. Bien reçu, Sam. Mettez-vous à l'abri et n'approchez pas. Le feu s'étend dans toutes les directions. Arnold, Ellie, éteignez le feu sur l'herbe. Elvis, Julie et moi, on s'occupe du feu dans les arbres. C'est parti. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Oh, ça n'a pas l'air de s'éteindre. Le feu se rapproche de notre radeau. Julie, prends Vénus et éteins le feu par l'autre côté. Bien reçu, Sam. Le feu dans les arbres est éteint. Et le feu dans l'herbe est aussi éteint. Oui, bravo. Peut-être que maintenant, on va enfin pouvoir descendre la rivière. Je crois que j'ai trouvé ce qui a causé l'incendie. Alors c'est de ma faute, tonton Sam. J'ai utilisé ce chargeur abîmé pour recharger ma tablette. Mathieu, ce chargeur avait un câble en mauvais état et c'est ce qui a déclenché le feu. On doit toujours vérifier l'état des appareils électriques avant de s'en servir. Pardon, je suis vraiment désolée, tonton Sam. Mathieu, il est encore temps de gagner le badge. Le radeau doit pouvoir naviguer et descendre la rivière jusqu'au pont. Oui. Et voguez, moussaillon. Oui, ça y est, on navigue. Ah, il était temps. Félicitations! Vous avez tous mérité le badge de radeau des pionniers! Oui! Une fusée de détresse lancée depuis les montagnes a été repérée par un sandwich spatial. Un sandwich spatial? Une opération de sauvetage doit être lancée immédiatement! Eh bien, moi qui pensais avoir tout entendu. C'est forcément Tom! Et le renard blessé! Agent Malcolm, qu'est-ce qui se passe? Grâce aux captures d'écran sur l'ordinateur des enfants, nous savons qu'il faut concentrer nos recherches à l'est des montagnes de Pontypondy. Et il faut faire vite. La nuit va bientôt tomber. Entendu. Arnold, lance Saturne. Tu vas scruter le ciel. Nous allons nous séparer et ratisser au peigne fin tout le périmètre. Bien reçu, Sam. Lizzie, tu viens avec moi. Très bien, Julie. Allez, nous devons sauver Tom. De la rivière. Aucun signe de Tom. Qu'en est-il de ton côté, Julie? On est au bord de la falaise. Rien non plus ici. Malcolm, tu l'as trouvé? Négatif, mais je poursuis les recherches. Hé, bonhomme, ne t'inquiète pas. J'ai fait un feu pour qu'on soit bien au chaud en attendant que les secours arrivent. Ça ne m'a jamais laissé tomber. Attends un peu. C'est quoi, ça? Oh, Sam, Saturne a trouvé quelque chose. Et c'est tout près de là où tu te trouves. Je vais te guider. Bien reçu, Arnold.
Je reconnais ce bruit. C'est Saturne. Hé, par ici! Sabre! Oh, je suis tellement content de te voir ici. Ravi de te voir aussi, Tom. Comment va ton patient? Oh, il va bien. Mais il ira encore mieux une fois que Lizzie l'aura soigné. Ah, la voilà qui arrive. Coucou, mon petit bonhomme. Oh, on dirait que tu as besoin d'un bandage. Comment vous avez su qu'on était là? Grâce aux photos aériennes prises par un sandwich spatial. Un quoi? Qu'est-ce que... un sandwich spatial? Le sous-marin de Joe et Anna est tombé en panne et il s'est perdu sous la mer. Le sous-marin de Joe et Anna est tombé en panne et il s'est perdu sous la mer. Nous devons lancer une mission de recherche de toute urgence. Message reçu, commandant. Système de flottaison de secours activé. Et voilà, Anna. Et si on sortait du sous-marin? Oh, attends, regarde, une tortue. Et elle a un bout de plastique coincé autour de l'une de ses nageoires. Papa, on peut pas la laisser comme ça. Ben, quelles sont tes coordonnées? Je me trouve à l'est de l'île de Pontypandy, mais aucune trace de sous-marin. Julie, tu vois quelque chose? Négatif, Ben. Toujours rien pour l'instant. Tu es vraiment sûre de ne pas vouloir me laisser faire, Anna? Non, papa. Tu sais bien que je sais nager beaucoup mieux que toi. Et j'ai surtout très envie de voir cette tortue de près. Salut, ma jolie. Ça a pas l'air d'aller. Oh, t'es vraiment magnifique. Attends, laisse-moi t'enlever ça. Et voilà. Il y a pas de quoi, ma belle. Et une tortue de sauver. Et maintenant, c'est nous-mêmes qu'on va devoir sauver. J'ai justement ce qu'il faut. J'aperçois une fusée de détresse à quelques degrés sud de l'île de Pontypandy. On y va tout de suite. Oh, oui, par ici. Sam, je les ai retrouvés. Suis ma position. Vous allez bien? Extraordinairement bien. Je te remercie, Sam. Je viens de rencontrer une tortue. Et elle lui a retiré le bout de plastique coincé autour d'une de ses nageoires. Je suis très fier de toi. Tu as sauvé une vie et contribué à dépolluer la mer. On va vous ramener tous les deux à bord de Neptune. Et Titan va remorquer le super sous-marin jaune jusqu'à Pontypandy. Je me demande ce qui arrive à Damien. Nicolas, qu'est-ce que tu as encore fait? Oh, ne t'inquiète pas, je vais lui dire que ce n'est pas pour de vrai. Regarde, Anna, voici exactement à quoi un œuf de dinosaure ressemblerait. Qu'est-ce que c'était? Je crois que c'était Damien en train d'être emporté par un ptérodactyle. Non, c'est pas vrai. À l'aide! Je crois qu'on ferait mieux d'appeler Sam le pompier. Damien Prime a été effrayé par un dinosaure. Il a été emporté par un ptérodactyle et il est maintenant pris au piège sur la falaise de l'île des dinosaures. Je veux dire, de l'île de Pontypandy. 3, 2... Votre attention, s'il vous plaît. Oh,
Tu n'as pas eu le temps de dire un. Damien Prime a été effrayé par un dinosaure. Mmh. Il a été emporté par un ptérodactyle et il est maintenant pris au piège sur la falaise de l'île des dinosaures. Je veux dire, de l'île de Pontypandy. Le devoir nous appelle, cap sur l'île de Pontypandy. Placez-vous au pied de la falaise. Nous, on va aller en haut. Message reçu, Sam. Damien, garde ton calme. Sam le pompier va venir te sauver. Les cordes sont sécurisées, Sam. Ne bouge pas, Damien. On descend te chercher. On arrive. Tu seras bientôt en sécurité. Est-ce que t'es prêt? Prochain arrêt, Titan. Tu y es presque, Damien. Fais attention. Tu es en sécurité maintenant. Parfait. Joli sauvetage. Je vous retrouve sur la plage. Message reçu, Sam. Oh, j'aurais tellement aimé pouvoir utiliser le canon à eau de Titan. Écoutez, je sais que vous ne me croyez pas, mais j'ai vraiment été poursuivie par un dinosaure. C'est n'importe quoi, Damien, et tu le sais très bien. Ah, de gestes brusques, Tom. Si jamais il lâche le poulet, on pourra dire adieu à notre déjeuner. Il faudrait juste que je me rapproche un petit peu. J'y suis presque. Non, stop, non. Reviens tout de suite, petit chapardeur de poulet. Capteur, viens ici, mon petit. C'est pas comme ça que je vais devenir un vrai baroudeur. Je dois prévenir Sam le pompier. Un barbecue vient de dévaler la colline et a déclenché un incendie à la gare ferroviaire de Pontypandy. Un barbecue vient de dévaler la colline et a déclenché un incendie à la gare ferroviaire de Pontypandy. C'est parti, on prend Vénus. C'est ça, bravo radar. Et maintenant, les bouées. Et la traversée du tunnel. Bravo! Tu es génial, radar! Bravo! Pompier Sam, il y a le feu à la gare de Pontypandy. Hein? Julie et Arnold vont avoir besoin de renforts. Bien reçu, chef. On y va tout de suite. Et désolé, les enfants, mais nous avons une urgence. On y va, radar. Elvis, les flammes se rapprochent dangereusement des citernes d'essence de Bessie. Tu dois à tout prix les protéger, vas-y. Bien reçu, Sam. Arnold, il faut éviter que le feu ne se répande. Julie, aide-moi à maîtriser le foyer principal. Bien reçu, Sam. Oh, Sam, le feu continue de se répandre. Les citernes sont sécurisées. Bien joué, Elvis. Maintenant, tu peux aider Arnold à éteindre les derniers foyers. Bien reçu, Sam. Beau travail, les amis. Saucisses épicées cuites sur le grill pour tout le monde. Et surtout cuites sur notre petit barbecue improvisé, n'est-ce pas? Et ça sent particulièrement bon. Et voilà, j'ai récupéré votre poulet. La forêt toute entière est en feu. Comment on va faire pour s'en sortir? Regardez. L'instinct des animaux va les guider loin du feu. Venez, suivons-les. Allez, courage, Max, on va t'aider. Tiens, papa,
Prends ça comme béquille. Oh, merci, ma chérie. Oh, oh. Allez, c'est parti. On va suivre les animaux. Sam, j'arrive pas à éteindre les flammes. Tom, est-ce que Wallaby 2 est prêt à décoller? Oui, j'ai presque terminé, Sam. Il sera prêt à décoller dans quelques minutes. Tu sais quelle direction on doit prendre? Non, pas vraiment. Mais comment on va faire alors pour sortir? Tout va bien se passer. Mettez ces mouchoirs imbibés d'eau sur votre nez et votre bouche. Ça va vous protéger de la fumée. Maintenant, on va avancer en rasant le sol. C'est là que l'air est le plus respirable. Oh, si seulement on avait un moyen de dire à Sam où on est dans la forêt. Attendez, si le bois dans lequel on est se trouve là et que le chemin qu'on a pris est là, ça veut dire que ces rochers-là sont au bout de ce chemin. Peut-être que là-bas, on pourra capter du réseau. Bonne idée. Vous allez tous rester là. Je reviens tout de suite. Malcolm, est-ce que vous allez bien? On est coincé dans une clairière et Max est blessé. Je vais t'envoyer les coordonnées de notre position. Je connais cet endroit, mais il nous faudra du temps pour y arriver. Tu arrives au bon moment. Je t'envoie la position du groupe de promeneurs pris au piège. Empêche le feu d'atteindre la zone où ils sont. J'ai reçu les coordonnées. Je pars tout de suite. Julie, changement de programme. Ramène Vénus à l'air de pique-nique aussi vite que possible. Bien reçu, Sam. On arrive. Ici Tom à bord de Wallaby 2. Ne vous inquiétez pas, Sam va venir vous sauver. Tout va bien se passer, les enfants. Arnold, tu vas aider Elvis et Ellie à combattre le feu depuis cette zone. Julie, on va arroser les arbres pour ouvrir un couloir à travers la forêt pour conduire tout le monde en sécurité. Bien reçu, Sam. La fumée est de plus en plus épaisse. Wow ! Ça y est, on est sauvés ! Max, tu montes à bord de Vénus. Nous, on va vous suivre en restant accroupis. Pas l'air de vouloir ralentir. Sam, il faudrait essayer de l'entraîner vers la piscine. Bien reçu, Malcolm. Au secours! Garde ton calme, Mathieu. Julie, rejoins-moi à la piscine en plein air à bord de Phoenix. On a une lourde charge à soulever. Bien reçu, Sam. J'ai peur. Sam, peux-tu rassurer la jument pendant que je m'occupe de Mathieu? D'accord, Malcolm. N'aie pas peur, je vais te tenir. Calme-toi, bouton d'or, tout va bien se passer. On va te sortir de là, toi aussi. Et voilà, adjoint Mathieu. Bouton d'or! Un peu de patience, tu seras au sec d'ici quelques minutes. Vas-y, Elvis! C'est avec cet appareil qu'on va pouvoir te sortir de cette piscine. Tu peux la remonter maintenant. Bien reçu, Julie. Éloigne-toi, Mathieu. Laisse Lizzie vérifier que Bouton d'or est en bonne santé. Détends-toi, ma belle.
Je vais t'examiner pour voir si tu m'es pas blessée, d'accord? Oh, j'aimerais bien savoir ce qui se passe ici. Et puis, où est ma salade? Je meurs de faim. Et où sont passés mes fruits et légumes? Allez-vous enfin attraper le voleur? Ne vous en faites pas. J'ai déjà résolu l'affaire et tous les indices sont dans mon sac. J'ai retrouvé ces tranches de radis sous le banc où Max était assis. Et une tranche de pastèque avec des traces de morsure de cheval à l'étalage de la supérette de Denise. Ensuite, j'ai surpris le coupable en train de manger des pétunias. Et devinez comment il s'appelle? Bouton d'or. Eh bien, je te félicite, adjoint Mathieu. Avec une enquête aussi bien menée, tu deviendras un jour un brillant policier. Très bien, Tristan. C'est la dernière scène. Allez, on se dépêche, s'il vous plaît, on va perdre la lumière. À toi, Dieu Martin. C'est le grand moment du clip. Je ne veux pas une petite brise marine. Je veux voir une véritable tempête. Compte sur moi. Accrochez-vous, ça va souffler. Oh, la rivière est de plus en plus agitée. Plus de vent, Martin. La caméra est prête et... action. Je suis allé à Vegas. Pourquoi? Nom d'un grizzly. Arrête l'hélice, Martin. Essaie de ralentir. Oh non, ils vont vers les chutes d'eau. Saute dans le bateau de Martin, tout de suite! Quoi? Martin, vite, remets l'hélice géante en route! J'ai sauté juste à temps! On n'est pas encore tiré d'affaire! On doit empêcher le bateau de s'approcher des chutes d'eau! Mais l'hélice est à la puissance maximale! On ferait mieux d'appeler Sam le pompier! Ah, je vais me débrouiller tout seul, Portillon. Deux membres du groupe de ukulélé de Pontypondy se dirigent vers des chutes d'eau à bord d'un bateau équipé d'une hélice géante. Deux membres du groupe de ukulélé de Pontypondy se dirigent vers des chutes d'eau à bord d'un bateau équipé d'une hélice géante. Elvis, tu viens avec moi à bord de Hydre. Julie, tu prends Mercure. Bien reçu, ça. T'as des rames plus fortes, Tristan. Je rame déjà aussi fort que possible. Sam, je vais attacher la corde de sécurité pour Hydre. Bien reçu, Julie. C'est bon, Sam. Je vais approcher du bateau. Elvis, fais monter Tristan à bord. Bien reçu, Sam. Tu vas devoir sauter sur Hydre, Martin. Oui, j'arrive. Martin. Attrape la bouée. Je l'ai. Tu n'as plus à t'inquiéter. Tu es en sécurité. Heureusement que tu avais pensé au gilet de sauvetage. Pardon, Tonto Sam. Je me suis un peu laissée emporter par le tournage du clip. Hey, elle ne risque pas de danser avec moi si elle n'arrive pas à me voir. Je ne vois plus rien. Désolé. Danse avec moi. C'est mon heure de gloire à moi. C'est pas vrai. Je vois plus rien. J'ai une tête en gâteau. Et puis c'est tout collant. C'est super bon, mais super collant. C'est le genre de truc qu'on voit pas tous les jours. Ça devient de mieux en mieux, tu trouves pas? Joe, où es-tu? Je ne vois rien du tout. On dirait que la soirée a commencé. Alors, lequel je dois mettre d'après toi? Va pour le violet. Oh non! Joe, éteins-moi vite cette machine à fumer. Mais j'ai jamais allumé cette machine. Hein? Je ne peux pas sortir! Il y a le feu dans les escaliers! Oh non! Il faut absolument appeler les pompiers!
Un incendie s'est déclaré au café et Béatrice est coincée dans sa chambre où elle était montée pour mettre un pantalon disco. Un incendie s'est déclaré au café et Béatrice est coincée dans sa chambre où elle était montée pour mettre un pantalon disco. Ellie, Sam, prenez Jupiter, Elvis et moi, on prend Vénus. Sécurité, je vous demande de ne pas vous approcher. Ne vous inquiétez pas, on va vous sortir de là. Ellie, coupe le courant. Moi, je m'attaque tout de suite au foyer principal. Bien reçu, Julie. Allez, Lyon, tu n'as plus rien à craindre. Courage, Béatrice. C'est à vous maintenant. Oh, oh, il doit bien y avoir du réseau quelque part dans ce... J'ai lu le chapitre du livre sur les corniches, mais je ne m'en souviens pas. Oh. Et en plus, je n'ai toujours pas de réseau. Je me souviens que là-haut, on capte en général. C'est sûrement là que Mathieu est allé. Ça y est, j'ai enfin du réseau. Regardez. Mais aucune trace de Mathieu. Mathieu! Je pense qu'on devrait appeler l'équipe de secours en montagne. Mathieu Choineau est perdu dans la montagne. Une mission de recherche et une mission de sauvetage sont nécessaires. Mathieu Choineau est perdu dans la montagne. Une mission de recherche et une mission de sauvetage sont nécessaires. Je pars avec Julie et Tom à bord de Wallaby 2. Sam, tu viens en renfort avec l'ambulance. Bien reçu, Hélène. J'espère qu'on va vite le retrouver. Le soleil ne veut pas tarder à se coucher. Oh, au secours, aidez-moi! Je suis là! Il fait de plus en plus sombre. On doit se dépêcher de retrouver Mathieu. Bien reçu, Sam. Je passe en mode imagerie thermique. Bingo! Je crois qu'on l'a trouvé. Prépare-toi à descendre, Hélène. Bien reçu, Tom. Ne t'inquiète pas, Mathieu. Tout va bien se passer, on va t'évacuer. Est-ce que tu es blessé? Non. Non, je crois pas. Accroche-toi bien en moi, on va faire un petit voyage. Mathieu est attaché, tu peux nous remonter. Bien reçu, Hélène. Remonte-le en douceur, Tom. Oh, oh, Tonton Sam! Regarde, voilà ma maman. Maintenant, on va voir qui sont les meilleurs, Marie. Denise, si vous nous donnez votre voiture à laver, on vous offrira une limonade. Et tu pourras caresser Toudou.
Désolée, mais je vais choisir cette station de lavage. Quoi? Je sais que tu es déçu, mon petit lapin, mais il y a une horrible tache de moutarde sur le tableau de bord. Et je vois qu'à la station voisine, ils lavent aussi l'intérieur des voitures. Je parie que c'est toi qui as fait cette tache de moutarde, Nicolas. Oh, mais lâche-moi! Dites à cette grosse pelote d'haleine de me laisser tranquille! Vous avez vu, Denise? Vous avez aussi une tache de moutarde sur votre vêtement. Oust! Oust, Toudou! Oust! Arrête! Dépêche-toi, Sarah! On a une autre cliente! J'ai fait aussi vite que possible! Oh, un mouton va manger mon vêtement préféré! Sarah! Attention! La voiture roule! J'arrive pas à atteindre les pédales! Oh non, Sarah est à l'intérieur. Oh, et la voiture se dirige droit vers la plage! Appelons le centre de sauvetage. Sarah Joanneau est coincée dans la voiture de l'infirmière et se dirige droit vers la plage. Sarah Joanneau est coincée dans la voiture de l'infirmière qui se dirige droit vers la plage. Décroche le combiné. Sarah, tu me reçois? Oui, je te reçois, tonton Sam. 5/5. Les secours arrivent, mais en attendant, tu dois te mettre en sécurité car la marée est en train de monter. Alors écoute bien, tu vas faire exactement ce que je te dis. D'accord, bien reçu, tonton Sam. Alors écoute bien, une fois que tu auras détaché ta ceinture de sécurité, tu baisseras la vitre pour sortir du véhicule. N'oublie pas, ceinture, vitre, sortir. J'ai compris, tonton Sam. Ceinture, vitre, sortir. Ceinture, vitre, sortir. C'est très bien, Sarah. N'aie pas peur, Sarah. Je te tiens bien. Ouais, bien joué, Elvis. Waouh. Wow. J'ai rien dit. Ton feu d'artifice est vraiment incroyable, papa. Hein? Vraiment incroyable. Ça valait la peine d'attendre. Oh oui, c'est parfait. Oh non, j'aurais vraiment dû faire les vérifications de sécurité. Vite, je m'occupe des autres. Vous, restez à l'abri. Anna, par ici, Anna. Venez par là. Papa! Je ferais mieux d'appeler la caserne. Un appareil à feu d'artifice incontrôlable a mis le feu à la maison des Carreaux ainsi qu'aux alentours. Un appareil à feu d'artifice incontrôlable a mis le feu à la maison des Carreaux ainsi qu'aux alentours. Julie, éteins l'incendie chez les Carreaux. On s'occupe des autres foyers. On va avoir besoin de Saturne pour arriver à les localiser. Bien reçu, Sam. Lancement de Saturne en cours. Il y a plusieurs départs de feu dans la forêt du côté nord-est. Bien reçu, Elvis. On y va. C'est là. Joe et Max sont bloqués à l'intérieur. On s'en occupe. Ça va aller. Restez baissés, on va sortir.
On doit d'abord maîtriser les différents foyers. Commencer par le foyer principal, il ne doit pas s'étendre. Je m'occupe des autres départs de feu. Chez les carreaux, Sam. La nôtre est prête aussi. Oh, superbe. Tu peux la servir. Dépêche-toi, papa. Elles sont toutes ratées. C'est nous qui allons gagner. Mathieu, on ne risque pas de gagner si elles ne sont pas cuites. Oui, c'est vrai. Je vais les mettre au four. Oh, oh. Plus que 30 secondes. Il faut les sortir du four maintenant. D'accord, d'accord. Aïe. Oh, elles sont magnifiques. Ne commencez pas sans nous. Plus rien ne peut nous empêcher de gagner. Maintenant, les pizzas sont cuites. Oui. Wow. Place à Bella pour la dégustation. Commencez donc par celle-ci. Pourquoi pas? Ça brûle! Ça brûle! Pourtant, j'ai pas mis de piment dessus. Non, Bella a voulu dire qu'il y avait le feu. Regardez! Mieux vaut prévenir les pompiers. Un incendie s'est déclaré dans le parc de Pontypandy et toutes les pizzas risquent de brûler. Un feu s'est déclaré dans le parc de Pontypandy et toutes les pizzas risquent de brûler. Oh, pas les pizzas. Les pizzas. Pour votre sécurité, nous vous demandons de rester le plus loin possible du feu. Ok tout le monde, nous sommes en présence d'un four à bois, d'une bobonne de gaz, ainsi que d'un four à micro-ondes électrique en flamme. Moi, je vais débrancher le micro-ondes. Et moi, je vais arroser la bonbonne de gaz. Et moi, je vais éteindre le four à bois. Bien reçu, Ellie. Le feu se propage. Je m'en occupe, Sam. Nos pizzas. Oh. Apparemment, l'origine de l'incendie provient de ce four à bois. Désolé, Sam. Il était à nous, ce four. Je pense que j'ai agi avec un petit peu trop de précipitation. Sur le site, il est écrit que si un chien n'écoute pas ce qu'on lui dit, ce qu'il faut, c'est se montrer ferme. J'ai essayé la fermeté. Tu veux que je te dise? Capteur n'écoute pas du tout et il n'y a absolument rien à faire. Tu trouves ça assez ferme? Allez, top là! Tu ferais mieux de laisser tomber, Sarah. Capteur ne va jamais réussir à faire top là. Capteur, viens ici. Sarah, non, reviens. On doit sortir d'ici. Maman, papa, il y a le feu, il faut appeler les pompiers. Il y a le feu au café des Joanneaux. Et Sarah est à l'intérieur à la recherche de Capteur. Il y a le feu au café des Joanneaux. Et Sarah est à l'intérieur à la recherche de Capteur. Thank you.
S'il vous plaît, pour votre sécurité, reculez tous. Merci. Je vais chercher Sarah et Capteur. D'accord, moi je m'occupe du feu. Je ne les vois ni l'un ni l'autre. Je vais aller vérifier au sous-sol. Bien reçu, Sam. Sarah ? Sarah ? Je suis là, tonton Sam. Oh, Sarah, on doit sortir. Mais j'arrive pas à trouver Capteur. Ça va aller, ne t'inquiète pas, on va le retrouver. Mais je dois d'abord te mettre en sécurité. Le feu est éteint, Sam. J'ai cherché partout, mais je n'ai pas trouvé Capteur. Qu'est-ce qu'il y a, Ombrage ? Vas-y, montre-moi. Pourquoi Ombrage renifle le jouet de Capteur ? Parce qu'elle va essayer de le retrouver. Elle est inquiète à cause de la fumée. Passe devant, Radar. C'est bien, Ombrage. Suis-le. Quelle équipe ! Supérette et Tristan, mon idole, est piégé à l'intérieur avec une demi-tonne de petits pois surgelés. J'ai sauvé le pied de Sibylle. Un incendie s'est déclaré à la supérette et Tristan, mon idole, je veux dire l'idole de Denise, est piégé à l'intérieur avec une demi-tonne de petits pois surgelés. Venez, les cadets, on va les suivre en minibus. Comme ça, vous pourrez voir la brigade à l'œuvre. Ouais, ouais. Allons-y. C'est fantastique. Moi, je vais chercher Tristan. C'est fait, Julie. Tu peux y aller. Je ne trouve pas Tristan. Et on voit rien à cause de la fumée. Sam, va aider Elvis pendant que Julie finit d'éteindre le feu. Bien reçu, Ellie. Tristan ? Tristan ? Tristan ! Vous nous entendez ? Sam, monte dans la chambre de Nicolas. J'ai vu quelque chose bouger. Tout de suite. J'ai assez d'oxygène. Ne t'en fais pas. Je vois qu'il t'en reste encore 66%. Alors garde ton calme et tout se passera bien. Je l'ai trouvé, Ellie. Tristan, avancez vers moi, mais sans vous relever. D'accord, Sam. Maintenant, sortons vite de là. D'après les premières constatations, c'est une surcharge électrique qui aurait provoqué l'incendie. Il ne faut jamais brancher des multiprises sur des multiprises. Je te prie de m'excuser, Julie. Ah, ce n'est pas vraiment à ça que je pensais quand je parlais de prendre l'hélicoptère. Ne vous inquiétez surtout pas. Je vais piloter tout en douceur et lentement. Bien reçu, sergent. On vous préviendra si on est trop secoué. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Je vais grimper en haut du plus grand arbre, comme ça je verrai exactement où nous sommes. Désolé, Nicolas, mais j'ai besoin des jumelles. Tenez ! Allez, c'est parti.
détaché, sergent Ravani. Bien reçu, Sam. Fouillez la forêt à pied, je commence la recherche aérienne. Oh! Papy, fais bien attention! Ne t'inquiète pas, je suis un pionnier et un pionnier sait comment grimper! Oh! Oh, oh là là! Ils ne sont plus très loin! Papy! Ah. Accroche-toi! C'est la voix de Sarah! Oh, youpi! Ah. Les enfants, vous savez où est Gaston? Gaston, est-ce que ça va? Je suis dans une situation un peu délicate, Sam. Garde ton calme, je vais venir te chercher. On a trouvé Gaston et les enfants. Mais on va avoir besoin du renfort de l'hélicoptère. Bien reçu. Je suis prêt, sergent. Un peu d'aide pour descendre, Gaston? Avec grand plaisir, Sam. Oui, oui. Oh, mon déjeuner est tout écrasé. Je n'aurais pas dû prendre ce vieux raccourci, Sam. Peut-être pas, en effet. D'ailleurs, raccourci ou non, il faut toujours dire à quelqu'un où on va quand on part en randonnée. Sans radar et ombrage, on ne vous aurait peut-être pas trouvé avant la nuit. Je suis désolé, Sam. Et je suis désolé pour vous, les pionniers. Maintenant, vous avez sûrement raté la fête et c'est entièrement de ma faute. Hé, hey, Gaston! On dirait que votre vieux raccourci de pionnier n'était pas si mal, en fait. Ah, tu crois? Le centre d'activité montagnarde est derrière ces arbres. Bravo! Oui, Félicitations, Gaston. Est-ce que tu penses emmener les pionniers plus souvent en randonnée à l'avenir? Oui, ça me ferait plaisir, Sam. Enfin, à condition que Nicolas soit là pour porter mes jumelles.